Et yo, bien le bonjour du bonsoir, c'est Traclass et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode sur Zelda Tears of the Kingdom. Et donc dans l'épisode dernier, on s'était laissé juste ici, à la zone d'exercice au vol. On avait fait un petit peu la zone d'exercice. Bon, j'ai pas réussi le dernier niveau, là, le niveau avancé, mais c'est pas bien grave, hein. De toute façon on reviendra peut-être pour le faire, on verra bien. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons faire? Bon, déjà, vous avez vu, je suis mort là, parce qu'en fait, j'étais en train de tester le son et je me suis fait éclater par eux. Donc, déjà, on va essayer de prendre notre revanche sur eux là, qui m'ont éclataxe, parce que j'ai pas bien aimé. Et ensuite, je voulais partir sur la fameuse quête qui se nomme la quête Trésor dormant des sources. Le chansonnet Tenflamme et Marpeck. Un trésor sommeille au centre des trois sources secrètes, en pleine montagne. Guide les trois eaux jusqu'à ce lieu qui, une fois empli, éveillera son trésor caché. La source du chansonnet se trouvait au nord-ouest du village Piaf, mais où peut bien être le trésor caché? En fait, je me posais la question de où est-ce que c'était que ce truc trésor caché là. Ça parle de source, mais. Le chansonnet, Tenflamme et Marpeck. Un trésor sommeil au centre des trois sources secrètes. En pleine montagne, guide les trois eaux jusqu'à celui qui, une fois empli, éveillera son trésor caché. Parce que moi, au début, j'ai cru que c'était au centre des trois. Parce que là, on voit trois sources d'eau, là. On voit trois petits lacs. On voit là, là et là. Donc, je me suis dit, au centre, ça doit être là. Mais en fait, je crois que ça n'a rien à voir, hein. Mais bon, dans le doute, on va quand même partir là-bas. De toute façon, la terre du chansonnet, c'est là, donc ça devrait être dans le coin, j'imagine, je sais pas. En tout cas, c'est la seule piste que j'ai. Et on va essayer de trouver ce fameux trésor dormant. Voilà, je pense qu'on va faire ça aujourd'hui. Je sais qu'on avait quelque chose à faire par là. Alors, je sais plus si c'était aux flammes ou si c'était pas vers des drapeaux rouges, mais je sais plus du tout où c'est, hein, tout ça. Mais bon. Quoi qu'il en soit, déjà, dans un premier temps. Prenons notre revanche contre eux là. Oui, vous là. Je parle bien de vous là. Toi dégage. Oula non, toi dégage en premier. Attendez. Attendez, attendez. Aïe, aïe, c'est lui justement qui m'a éclataxe tout à l'heure. Il m'a éclataxe avec son truc de feu là. Non, mais ça fait. Voilà, et oui, j'ai que de la grosse bouffe moi. Jamais des petites bouffes. Si, petites bouffes là. Ça c'est bien ça. Avec ça, hop. Ok. Ok. On s'éloigne. Voilà, toi prends ça dans ta bouche. Prends ça dans ta bouche. Bon, mais il s'épuise pas au bout d'un moment, lui? Parce que ça serait bien quand même qu'il s'épuise. Hey, mais il se bat avec moi, Babil, en fait. J'étais pas au courant, moi, de cette information. Moi, je pensais pas qu'il se battait avec moi. Ah, mais c'est cool, en fait, s'il se bat avec moi. Oula, attendez, j'ai plus de... J'ai utilisé mon arc. Pourquoi je suis si nul à ce jeu? Pourquoi je suis si nul à ce jeu? Quelqu'un pourrait me dire pourquoi je suis si nul à ce jeu-là? Voilà, toi dégage, voilà. Déjà, d'avoir réglé le problème de lui, là, ça devrait pouvoir m'aider. Ensuite, prenons une arme mieux que ça, là, parce que je m'en sors pas avec les armes à deux mains. Donc voilà. Mais, ah lui, il a récupéré le truc de feu de son poteau. Mais, dégage. Il y en a un qui m'a envoyé en l'air. Oula, mais il y en a d'autres qui sont arrivés en renfort. Hé! Au secours! Regardez comment ça commence l'épisode. Je me fais déjà éclataxe, en fait. Ouais, c'est ça. Battez-vous entre vous. Voilà. Hich! Déjà, je me débrouille quand même bien mieux à la lance. Hein. Les armes à deux mains, c'est trop lent. C'est ça le problème. Moi, je m'en sors pas avec ça. J'ai vraiment du mal hein, avec le... Pourtant, pas si dur que ça, hein, mais j'ai du mal avec les combats dans ce jeu. C'est un truc de malade. Un truc de fou furieux dans la mémoire que dans la tête, quoi. Mais bon, c'est bon. On a réussi, c'est le principal. Heureusement, j'ai plein de petits plats pour me permettre de survivre. Voilà. Déjà, ça annonce la couleur. Hein. On sait déjà comment ça va se passer dans cet épisode. De toute façon, vous commencez à avoir l'habitude avec moi. Mais bon. Alors. Que d'aventure tout ça. Je vais. Hop.
sortir lui pour prendre lui. D'ailleurs, ce que je vais faire, c'est que je vais abîmer celui-là, là, parce que... Voilà, c'est bien d'avoir un bouclier de flamme, mais si je l'utilise pas, ça ne sert à rien. Très bien, du coup, ce que je voulais faire... Ah mais d'ailleurs, j'ai... Mon cheval, il est où? Mon cheval, il est tout là-bas, là-bas. En même temps, partir en montagne à cheval, en montagne à cheval, haha, MDR. Ouais, partir en montagne à cheval, c'est chiant, donc ça sert à rien. Bon, normalement, c'est des bocaux blins, je dois vraiment sortir sur les bocaux blins. Moi, je l'espère. Voilà, toi, ça dégage. Faudrait que je m'achète une vraie manette. Pour la Switch, vraiment. Je puisse viser correctement, parce que c'est quand même pas très pratique avec ce truc-là. Et non, j'esquive! Esquive! Esquive! En fait, faudra que je fasse plus d'esquive. On m'a déjà dit dans les commentaires, mais tu sais pas esquiver? Bah si, je sais, mais c'est juste que j'ai pas forcément le réflexe, en fait. Juste que voilà, mais c'est vrai que si j'esquive correctement, ça ralentit le temps et du coup je peux les enchaîner et tout. Je joue pas forcément correctement au jeu, ça c'est clair et net, mais bon. Le plus important, c'est que je m'en sorte, non? Je suis peut-être pas bien, mais j'arrive à m'en sortir. J'ai déjà ramassé tout ça ici, hein. Parce que la maison là-bas, on l'avait déjà faite, hein. On l'avait déjà faite. Qu'est-ce que j'ai? Le truc, c'est que ce serait bien que je le casse quand même, ce grand maillet. C'est où qu'il fallait que j'aille? C'était au drapeau, là? Et puis, il y avait un endroit où je devais me rendre, je m'en souviens. Bon, je re-regarderai l'épisode dernier, histoire de savoir ce que je voulais faire. Mais je vous avoue que je m'en souviens plus, et comme je m'en souviens plus, et ben on va juste partir à la recherche de ce trésor caché, là. Et puis voilà quoi. Allez hop, let's go. On monte à l'échelle et on y va. On y va. Alors nous on veut partir direction là-bas. Ça tombe bien parce que c'était là où je ne suis pas allé la dernière fois. Donc c'est pas plus mal. Ramasser un petit peu de viande, ça pourrait être cool parce que j'aime bien moi avoir de la bouffe. La bouffe de côté. Ah bah en plus j'ai mangé des trucs anti-froid. Du coup ça fait que je devrais pas avoir froid du tout quoi. Venaison divine. Oula, d'accord. Tout plat contenant de cette viande obtenue principalement sur du gros gibier se trouve sublimé par son goût et sa texture incomparable. Très très bien. Mais moi je dois partir par là. On part en direction... Oula, hé, il y a encore des trucs qui tombent. Hé, la source des trois... je sais pas quoi, de... Je sais plus trop quoi. Ce serait pas des cascades qui tombent du ciel? Par hasard de... Comme par hasard? Eh, c'est possible que ce soit des cascades qui tombent du ciel. Ah! Bonjour, monsieur. Que faites-vous, là? L'entrée de la grotte. Ah! Ok, bon, on va peut-être partir sur autre chose, hein, finalement, hein. L'entrée de la grotte, très bien, bon bah, parlons-lui. Attention! Ah, décidément, j'ai vraiment pas de chance. Regarde, tu vois là? Ouais, je vois, ouais. L'entrée de la grotte est complètement bloquée. Il y a dedans des vivres que je n'ai pas encore récupérés, tu vois? Si j'avais de ces fleurs bombes qu'on trouve dans les grottes, je pourrais faire exploser la caillasse qui bloque l'entrée. Si j'avais su, j'en aurais cueilli quand je rassemblais des vivres. Bon, je laisse tomber pour aujourd'hui, je crois que ça vaut mieux, en fin de compte. Ok, donc en fait, tu veux que je te débloque ça, hein? Ça tombe bien, parce que moi, des fleurs bombes... Ah, j'en ai. Et bléchi! Mais, ah d'accord, ah oui. C'est bien... Ah oui. Ça y est, c'est débloqué. Pas tout à fait encore. Alors, attends, je prends le sel... Ça compte pas comme débloqué, non? Grotte du col de Terrel. Ah! Col de Terrel! Ah! Terrel! C'est la grotte bloquée? Ah non, c'était en flamme. Ok, autant pour moi. Je me sens jailli pour rien.
Était en train de chercher des vues dans une grotte, mais un éboulement lui a bloqué, lui en bloque à présent l'entrée. Vous pouvez peut-être faire quelque chose pour l'aider. Donc si j'ai pas cassé le troisième, ça compte pas. C'est bon là. Trou que tu as fait pour que je puisse entrer, t'es quelqu'un de formidable, vraiment. À présent, je peux aller chercher les vivres au fond de la grotte. Tiens, accepte ceci en récompense, c'est la moindre des choses. Ouais, c'est cool, 20 rubis pour avoir cassé un bout de grotte, c'est cool. Je vais aller chercher les vivres, moi, merci d'avoir fait ce trou pour moi. Eh ben, avec grand plaisir. Franchement, avec grand plaisir, ça fait plaisir. Opale. Eh ben, on va aller voir un peu ce qu'il y a au fond de cette grotte. Hein. Profitons-en pour traîner un peu, fouiller un peu. Récupérer un peu les multitudes de choses diverses et variées. Les vivres sont intacts. Merci de ton aide. Les vivres ont l'air d'être intacts, fort heureusement. Je vais les empaqueter et les apporter au village. Bah, je suis content pour toi. Skip. Skip de peut-être que je suis content pour toi, peut-être. Fleur bombe. Ah, au secours, je glisse. Ne glisse pas, ne glisse pas. Link, arrête de faire des bêtises. Oh, il y a un crapaud lumineux. Attendez. Crapaud luminescent, lumineux. Oh, oulala, oh, j'ai... Ah, vous avez vu comment je vise bien, je suis un sniper, moi. Vraiment. Oh là là, je me fume moi-même. Bon, lui, j'essaye même plus d'essayer de le courir après, de le taper, parce que... De toute manière, à chaque fois, je n'y arrive pas. Hop, toi, t'es mort, toi, et toi aussi, t'es mort, voilà. Truc de glagla, bon, je commence à en avoir pas mal, hein, des trucs de glagla. Ça, c'est sûr, mais bon. C'est mieux d'en avoir trop que pas assez, hein, vous me direz, hein, de toute façon... Paf, Glen Lumos. Ok. Je pense qu'on a tout pillé. Bon, là, il y a un machin bizarre, mais vas-y, flemme. On va juste sortir et continuer notre chemin, parce que nous, on a la recherche d'un trésor, en fait. J'aimerais bien trouver ce trésor. C'est quoi, ça, comme poisson? Troglodus Lumos. Ah oui, je crois que j'en ai déjà de ça aussi. J'en ai déjà. Bon, bah déjà, on a au moins... Déjà au moins fait une quête, donc on n'aura pas rien fait non plus dans cet épisode. Parce que j'ai un peu peur de partir à la recherche de la grotte et de ne jamais la trouver. Je vous avoue, et de faire un épisode un peu chiant. Donc bon, je sais pas comment je vais faire, mais j'espère que je vais réussir à le trouver, quoi. Que ça va pas être trop long. Venaison fine, ça fait zizir. Ça fait zizir. Là, il y a des trucs fruits de gel. Je récupère aussi. Est-ce qu'il y a... non, il n'y a rien. Puis en plus, avec l'espèce de blizzard, je vois pas forcément très bien. Il y a un caillou qui tombe du ciel, ouais. Ok. C'est quoi ça? Un troglodyte. Il se camoufle là. What? Il est où le truc? Je sais que t'es là. Je sais que t'es là. Aïe. Ouh, il m'a eu quand même. Il m'a eu quand même, hein, le... Ah, le loot. Bon, bah, on va le chercher, hein, quand même. Quand même, on va pas laisser du pauvre petit loot. Bah, j'ai cru que la... Bah, ça a dû tomber encore plus bas. J'ai cru que l'oiseau, c'était le loot. Oh là là, flûte. Ah, il est là. Non, c'est encore des animaux. Si, c'est ça. Truc de glagla, bah non. Ah si, peut-être que c'est ça, je sais pas. J'ai pas eu le ballon de baudruche, enfin le... Ah bah il est là-bas, ah oui, putain, il est à glisser loin. Il a glissé cher loin, en fait. Viens de battre. Ah, j'ai cassé mon arme, d'accord. Bon, hop, on va reprendre la lance, alors. Oh bah, hé, pratique le petit babil. Ça va, en 1v1, j'arrive à m'en sortir quand même. Voilà. Hop. Oh, ah d'accord, c'est la première fois que je... Ah oui, c'était un Les Alphos, c'est vrai. J'ai dit un trop glodite, moi. Ah oui, 15 quand même, hein.
Habité du pouvoir de la glace, cette corne dégage un froid mortel. Vous l'utilisez dans un remède où vous placez son pouvoir en l'attachant à une arme. Ça a l'air pas mal, hein. La queue... T'as pas 10 aussi, d'accord. Baudruche Octo, très bien. Ouais, il est fou, lui. Il est fou, lui, de m'attaquer comme ça. Y a pas la source de je sais pas quoi. S'il vous plaît. Puis où, là? Ah, je commence à rentrer dans les terres du chansonnet. Moi, mon point, en fait, je l'ai mis bien haut. Wouah! Wouah, c'est une hydre! C'est quoi, ce truc? C'est à la fois stylé et à la fois terrifiant. Je veux dire... Waouh! On va essayer de lui casser la bouche. On va essayer. J'ai bien dit essayer, hein, parce que bon... Bon, ça se trouve, le temps que j'arrive là-bas, il sera déjà loin. Je sais pas s'il traîne là-bas en haut ou... mais stylé, stylé, stylé. Il s'envoie du pâté en croûte, en fait. Et ouais, pourquoi du pâté en croûte? Je sais pas, mais j'avais envie. Déjà, hop. On va dire qu'on est déjà passé là. Hop, hop, hop. Voilà, ça c'est juste pour... pour que psychologiquement, je sois bien. Viens là, l'ours. Bah, l'ours vient de battre. T'es censé être un ours, t'es pas censé... Bah, il est... Flippette, l'ours. Bah, il vient de battre à un moment donné, l'ours. Mais c'est quoi cet ours? C'est un ours de Wish ou... Et l'ours, au lieu de fuir, vient te battre. Et du coup, il avait disparu même. Viens là. Viens là. Ok. Viens là. Et au bout d'un moment, crève. Faut combien de flèches pour mourir? Bah, ça se trouve, il marche jamais le truc, en fait. Ouais, je suis en train de me poser la question, là, parce que... Vu le nombre de flèches que je l'ai mis, attendez, il y a des drapeaux là-bas. Des drapeaux. Et en fait, je voulais partir à la recherche des trésors, mais moi, je me connais. Tout ce que ça va faire, c'est que je vais traîner de partout, en fait. Ouais, non, on peut pas le tuer. Vu le nombre de flèches que je lui ai mis, et puis là, le nombre de coups de lance, c'est que l'ours, je ne peux pas le tuer, je ne pense pas. Ou alors, il est giga résistant, le machin, quoi. Très bien, bon. Dans tous les cas... Comme maintenant, ici... Je vais où, là, d'ailleurs? Je vais... Mais je suis pas en train de retourner carrément en arrière. Oh, je suis retourné carrément en arrière, en fait. Je suis bête comme un manche. Pas grave, parce qu'on va utiliser la rafale. Ça va nous permettre de retourner... tourner là. Ok, bon, je suis... clairement en train de tourner en rond sans même pas me diriger là où je dois aller donc, mais moi j'ai bien envie de lui casser la bouche le truc là bas hein. Bon, ma lance de caporal c'est cassé, on va utiliser la grande lame, mais c'est encore j'ai que des armes à deux mains alors que je maîtrise pas bien cette chose. Ah oui. Ah oui, d'accord, il a carrément... Il s'est désintégré, quoi. D'accord, j'étais pas au courant. J'étais pas bien au courant. Et l'hydre, là-bas, elle protégerait pas par hasard un trésor caché de la mort qui tue, tout ça. Par hasard, hein. Je sais pas, hein. Moi c'est hypothétique, hein. C'est une question quoi. Hein. Est-ce que je saute dans le vide là ou pas du tout en fait? En même temps, il y a de la fumée là-bas. Donc qui dit fumée dit feu. Qui dit feu dit il y a quelque chose. Mais en même temps, moi je dois me rendre au milieu du terre de chansonnet. Est-ce que ça ne serait pas par là-bas? Bon, vous savez quoi, je vais aller direction du feu là-bas. Utiliser une petite rafale. On va rafaler tout ça. Parce qu'en même temps, l'hydre m'interpelle un petit peu. Je vous avoue. J'aimerais bien, mais pour
tomber sur l'hydre là. Je sais même pas si ça s'appelle une hydre, hein, mais bon. Mais je crois que les trucs à trois têtes comme ça s'appellent une hydre. Une hydre, pardon. Mais si on pourrait lui casser la bouche, moi ça me plairait, hein, moi. J'avoue que c'est quelque chose qui me tente, hein, quand même, hein, de casser la bouche à cette hydre là. Toi, hop, toi, tac tac, bim, hop, voilà, t'es mort. Voilà, ça fait plaisir. Ouh! Que fait-il là tout seul? Ah bah comme par hasard j'ai tiré trop. Ok, j'en ai eu un. Je l'ai eu au moins une fois. J'aurais eu au moins une fois. Ah ah, ça veut dire qu'il va y avoir un crapaud. Un crapaud dans ici, là. Grotte d'Erlem. Alors que ça par contre, Erlem. Non, punaise, encore une fois, mais pourquoi je me suis... Pourquoi est-ce que j'ai l'impression que j'ai déjà entendu ces noms alors que, en fait, pas du tout. Silex. Bon, normalement, en tout cas, on devrait trouver au moins un gros crapaud là-dedans, vu que le machin est venu là-dedans. 20, 20, 19, 18 pour le maillet comme ça. Bon, on va... Ah, c'est un une main celui-là. D'accord, c'est un une main. Voilà, la prochaine fois, on utilisera les autres. Bon, très bien. C'est malin. Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Alors ça, je m'attendais pas à croiser quelqu'un ici. Moi, c'est Selmy, ex-pro de glisse sur bouclier. Je vis dans le coin, j'enseigne la glisse à la nouvelle génération. Oh! Autrefois, on m'appelait l'impératrice de la glisse. Ça, on jetait pas mal, mais ça te dit rien, j'imagine. Quand la tempête s'est arrêtée, je suis parti à la recherche d'une nouvelle piste à aménager et j'ai trouvé cette grotte. J'ai pas pu résister à l'envie d'y entrer et c'est là que les choses se sont gâtées. Le passage était bloqué au milieu, donc pas moyen de continuer et impossible de ressortir par là où j'étais entré. Et pour couronner le tout, depuis l'entrée, je pouvais entendre les bruits de rochers qui s'effondraient. Je commençais à penser que personne ne me trouverait jamais et que j'allais rester coincé ici. Mais dis-moi, vu que toi aussi t'es entré en descendant par ici, on est deux à être coincés maintenant, non? Ah, mes deux apprentis Finn et Russell sont sûrement en train de se demander où je suis passé. Il ne reste plus qu'à trouver un passage relié à l'extérieur. Eh ben, y a un passage... Je viens de là, moi. Mais on peut sortir, j'ai ouvert déjà. Comment on fait déjà pour faire... je sais plus comment on fait du saut en bouclier, on fait comme ça. Oh, je sais plus comment on fait de la glisse dans le bouclier, les amis. Oh, je suis trop bête. Trop bête. Trop bête, je suis trop nul au jeu. Je sais plus. Mais je sais plus. Il faut faire ça et après... Après, il fallait sauter et après... Non, c'est pas ça. Ah, c'était avec... Ah, autant pour moi, d'accord. C'est juste que j'appuyais pas sur le bon bouton depuis le début. Très bien. Bon, je suis en train d'abîmer ce bouclier là pour rien. Parce que... Ah, le crapaud. Il est là. Il était juste là. Yo. Clairement pas tapé assez vite. Hein. Clairement pas, quoi. Bon. Hop, on va utiliser celui-là de maillet pour récupérer les choses, récupérer les minéraux, parce que les minéraux, c'est important. Bon, on ne trouvera sûrement pas dans cet épisode le coffre, je vous avoue, mais c'est pas grave, parce qu'on, mine de rien, on découvre quand même des trucs sur le passage. Bon, lui, il veut que je relie l'extérieur. Très bien, moi je veux bien. Mais en vrai, il y a déjà un passage hein, de l'autre côté. Hein. Tu peux déjà sortir hein, le raf. Hein. C'est pour ça que... Bon, 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 bon quoi. Hein. Est-ce que si je retourne lui parler, là, je suis en train de me poser la question. Parce que là, il peut se barrer un port en haut. Hein. Les rochers au fond. Oh, les rochers qui bloquaient la voie ont disparu. Je sens un courant d'air qui vient du dehors. Grâce à toi, je vais à nouveau pouvoir glisser sous les cieux bleus. Il faut que je te remercie, bien sûr. Le problème, c'est que j'ai rien sur moi. Passe me voir au chalet à l'occasion, il est situé au nord-ouest du point culminant des bras.
au nord-ouest du point culminant des bras. Attendez, ça, hop, voilà. Même si je regarde jamais, on sait jamais, si je jette un coup d'œil, ça va peut-être m'interpeller. Un grand feu est allumé juste devant, tu peux t'en servir comme d'un repère, tu viendras. Quand tu viendras. Tsuksu, je vais te laisser, je voudrais pas que mes apprentis s'inquiètent plus longtemps. Grand feu. Nord-ouest de point culminant des bras. Est-ce que c'est pas là où j'étais tout à l'heure? Je repars là, là? Je sais pas. Bon, je sais pas du tout. Bon, bref. Quoi qu'il en soit, on va continuer par là. Parce que bon, on est là, alors autant finir un peu la grotte. Hop là, petite graine lumos. Récupère les minéraux. Très important, les minéraux. Graine lumos géante. Ok. Là, il y a de l'ambre. L'ambre, ça fait plaisir. Cristal de sel. Mais attendez, mais moi je fais ça, mais en plus je devrais pouvoir faire. Ya! Trompette de bouton. Ya! Youhou! Ah ouais, ça glisse de ouf! Attendez, attendez. Attendez. On va se faire un petit kiff, hein. Moi je dis, on récupère tous les minerais, après on remonte et on se fait un petit kiff. C'est ça aussi, Zelda, c'est faut savoir apprécier les choses. Youhou! Trop stylé, hein, n'empêche de faire du skate avec son bouclier, hein. Moi je vous le dis, hein, c'est vraiment trop stylé, hein. Yepa! Ah bah, mais monte pas dessus, je veux que tu tapes. Oh, diamant brut! 25 de puissance, le plus précieux minerai qui puisse être extrait des veines minérales. Sa valeur marchande est considérable et son éclat ravit le cœur de ceux qui le trouvent depuis les temps anciens. Diamant brut, ah ouais. Et là, ça m'emmène ici. Il y a des drapeaux là. Des drapeaux. Là-bas, il y a encore des drapeaux. Je sais pas à quoi ça sert ces drapeaux. Si c'est pour m'indiquer que pour rentrer, c'est par là ou pas, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il y a donc d'autre? Ah, il y a des vestiges de temple là-dedans. Parce que moi, mon objectif, enfin, mon point, je l'avais mis tout en haut là. Il y avait l'hydre aussi qui m'a... Oh, il est juste là, l'hydre. Oh. Alors, attendez. On se fait un petit kiff et après, on va voir l'hydre. Non, parce que j'ai très envie de descendre toute la pente... En bouclier, là, ça me titille un peu. Donc on va remonter tout en haut, on va faire comme toute la glisse. Et après on ira peut-être voir l'hydre, parce que là on a l'air d'être vachement proche. Bon, à mon avis, je vais bien me faire exploser. Mais c'est pas grave. C'est ça qu'il faut un peu. C'est ça qui est rigolo, un petit peu. Ne pensez-vous pas? Moi j'aime bien, moi. Ça me dérange pas, moi j'aime bien. Oui, c'était quand même... Ah oui. Ah oui, c'était loin. Ah oui. Attendez pas à ce que ça soit si... si grand, en fait. Est-ce que je peux glisser même de plus haut là-bas? Enfin, parce que quitte à faire demi-tour pour glisser, autant faire une bonne glisse, hein. Oui, je peux. Bon, alors là, je vais glisser de tout en haut, les amis. On va se faire un de ces kiffs. Alors, par contre, il me semble que ça abîme le bouclier quand on fait ça. Alors, j'espère juste qu'il ne se cassera pas. Ok, let's go. C'est parti. Un monkey, yepa. Youhou, c'est trop stylé, en fait. Yes. Regardez, je fais des petits slides comme ça, là. Bam, 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 bam. Allez, faut qu'on prenne un peu de vitesse. Un petit peu de vitesse. Et il gère de ouf, en fait, le petit Link. Ouais, pas. Ah non, j'ai perdu de la vitesse. Vite, prendre la vitesse. J'arrête de faire des drifts pour rien. Yes. Wouhou. C'était trop bien.
J'ai trop kiffé. Par contre, là, on arrive vers un lac. Du coup, vers le lac du Terre de Chansonnet. On va essayer de monter. On va voir la petite hydre. Et après, on ira carrément sur le point que j'ai mis. Oh. Il y a un ennemi. Il y a un ennemi. Bon, hop. Hop. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire que là... Si on n'a pas visité, et on monte. Voilà. On monte voir le petit hydre qui est en haut. Voir un peu... qui pourrait bien s'y cacher. C'est la grotte... c'est la grotte où... laquelle je sors. Ah oui, je... Je peux pas monter, là? Si, je peux monter, quand même. Oh, quand même, non? Non? Vraiment, je glisse? Ça va pas être pratique de monter comme ça, en fait. On va essayer de pas trop se fatiguer non plus. Je vois plus, par contre, l'hydre. Ah si, il est là. Il est là, il est là. Il y a la lune qui se lève. Bon, on n'est pas en lune, lune de sang, c'est déjà ça. Par contre, faut vraiment pas que j'abîme mes arcs. Ah non, ça c'est l'arc du roi démon. Je veux pas le... pas l'abîmer maintenant. Pinaise, comment je vais faire pour l'avoir, lui? Parce que là, je monte, mais... c'est encore bien loin. On va aller au bout de ça pour voir ce qu'il y a. Je suis bien loin et en même temps je suis si proche. C'est ça la chose. Ah, il y a une noix Korogu là-bas. Je l'ai vu. Je l'ai spotted. Il y a une noix Korogu. Tu as certain. Ah non? Vraiment? Je pensais que c'était une épreuve de noix Korogu. Mais il y a l'air d'avoir rien du tout. Pour ça, ça m'intrigue un peu. Il n'y a pas un endroit... Si. Si je vais là et que je fais ça... Ah ah! On va pouvoir monter plus facilement comme ça. Oh! Une planche. Ouais, mais même si je la mets en bas... Attendez, j'ai plusieurs bouts de planches. Il faut que j'emmène tout en bas. Je suis en train de faire une grosse connerie. J'ai deux planches. Bon, quitte à faire une connerie, autant la faire bien jusqu'au bout. Et y a pas un troisième bout de planche Là, je peux pas faire tout le toit. Hein. Je peux clairement pas faire tout le toit là avec deux bouts de planche, par contre. On a l'air d'en avoir d'autres. Bon, je suis perplexe. Moi j'aurais pensé devoir refaire le toit en fait avec ces planches. Pas sûr de tout comprendre. Bah non, il me faut bien plus de planches que ça pour le coup. Ah non, trois planches hein. Trois planches, je devrais... Ah, fallait juste le couvrir. D'accord, bon. Tu m'as trouvé. Ok, bon, j'ai un peu réussi au pif, hein, je vous avoue. Mais ouais, d'accord, bon, très bien. Très bien, ça m'a... Ok, continuons. Hein. Allons voir la fameuse hydre. Hein. On devrait pouvoir continuer à monter là. Je peux pas monter, non. Oh, ça m'embête d'escalader là.
pénible d'escalader en fait. Vraiment, c'est pas ce que je kiffe le plus hein, dans Zelda. Escalader quoi. Déjà là, il n'y a pas la source des toits. Pourquoi je vais jamais le trouver ce trésor en fait hein, c'est... Ah d'accord, ouais, c'est... je me disais bien qu'il y avait des ennemis. L'hydre, il est là. Gliok des glaces. Bon, en tout cas, lui, il m'a vu, lui. Wouah, il tire des faisceaux laser glacés. Mais comme... Mais je peux rien faire contre ça, moi. Il m'a one shot. Mais... Ah oui, bah game over, oui. J'avais remarqué ça, mais... J'en sais faire quoi, moi? Est-ce que j'ai le niveau actuellement pour tuer cette chose? Parce que là, là, il m'a glacé une fois, finito, hein. Finito, pipo. Et en plus, faut que je me retape toute la montée. Ah bah, quel plaisir. Quel plaisir. Oui, parce que bon, je me suis fait tuer une fois, mais je vais quand même y retourner. Histoire de voir si je peux faire un peu plus que de mourir en 2 secondes. Il m'a fait giga mal, hein, le ref. Je suis nul au jeu, hein. Bien là, tout le problème. Déjà, ce qu'on va faire, c'est hop, hop, hop. Normalement, si je sauvegarde là, vous pouvez pas me ramener en bas parce que. Je sais pas tellement. Je me dis c'est un truc de glace. Donc si je lui tire des flèches de feu, techniquement, il devrait pas trop kiffer, tu vois. Oh non, non. Oh, je... Ah mais moi je me fatigue les amis. Je me fatigue, c'est violent. Ok, bon, c'est pas grave, on y retourne. Moi aussi il est lent là. Il devrait prendre des cours chez les assassins, lui. Hein. Va voir Ezio Auditore, un truc comme ça, hein, pour monter plus vite. Hein, parce que, waouh! T'es lent, hein, mon petit Link. Hein. Alors, attends, attends. Je vais prendre un truc bien. Hop, ça. Ça a deux mains? Non, ça a une main. Ça a une main. Je vais préparer une flèche. Enfin, au moins des fruits de feu. Je l'ai pas touché du tout, hein. Je suis censé faire quoi? Mais je suis censé faire comment? C'est une dinguerie! C'est une dinguerie le truc! Bon. Je ne sais pas tellement comment faire contre cet ennemi là, hein, du coup. Hein. Si jamais vous avez des astuces pour les tuer, je suis preneur. Hein. Je suis preneur, je suis preneur, mais. Parce que là, il m'éclate le truc. Bon, je pense que j'ai clairement pas le niveau actuellement, mais... comment faire? Parce que si, par exemple, je mets là... Ici, je mets qu'il y a une tête de mort. J'ai jamais mis des têtes de mort. Si, j'ai mis une tête de mort là. Ah, tête de mort, c'est ça que j'ai mis. Qu'est-ce que je pourrais mettre pour... une épée. J'ai même mis d'épée. Jamais mis d'épée, voilà. Et puis ça voudra dire qu'il y a un ennemi qu'il faut casser la bouche ici. Et pour le moment, je ne peux pas le tuer. Certainement une manière hein, plus efficace pour le tuer, mais malheureusement, je suis nul au jeu. Donc, quoi, c'est une luge? Je peux me faire une luge? Trop bien! Trop bien. Et une luge. Bon, quoi qu'il en soit, à la base, nous, on était à la recherche d'un trésor. On va arrêter de se dissiper. Et on va partir à la recherche de ces fameux trésors. Oh, ben, il y a encore une épreuve Korogu ici. Bon, très bien. Très bien, très bien.
Très bien. Hop, 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 hop. Emprise. Ah, je dois faire l'exactitude. Non? Faut pas faire la symétrie? Attendez, est-ce que là il y a le buisson qui me gêne? J'y vois mal. Ah! Ça explique tout! Ça explique tout! Comme ça. Voilà. Ok. Bon, moi, on trouve des corougours, moi. C'est déjà ça, hein. Et bah, à la revoyure. À la revoyure, et nous sommes maintenant au point que j'avais marqué. Donc, c'est déjà pas pile sur le point, et en même temps, j'aurais eu beaucoup de chance s'il serait été pile sur le point. Mais maintenant, le coffre devrait être dans les parages. Moi, je pense. Je pense qu'on finira de le chercher du coup dans le prochain épisode parce que ça commence déjà à faire pas mal pour ce petit épisode. Et ce truc là-bas, il m'intrigue. Hein. Si vous avez des astuces pour tuer cette chose, je suis preneur. Alors, si j'ai pas encore le niveau, dites-le-moi aussi. Peut-être qu'il me faut plus d'armure, plus de cœur, tout ça, parce que c'est vrai que je suis vraiment stuffé comme un petit nul, quoi. Donc bon. Mais le truc, c'est qu'il est plus bizarre, je trouve pas, hein, ce fameux coffre. Bon, enfin bref. En tout cas, on verra ça dans le prochain épisode. Parce que je ne peux malheureusement pas tourner beaucoup plus. Et après, j'ai peur de perdre... de prendre beaucoup trop de temps à chercher cette chose-là. Donc je pense qu'on va s'arrêter là. Et du coup, on continuera la recherche dans le prochain épisode. Bon, j'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, comme d'habitude, à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner et à activer la cloche. Et puis, on se retrouve dans un prochain épisode.